conscient d'un souci où les joueurs de Rainbow Six Siege sur PS4 rencontrent des crashs après avoir invité un ami. What? Ok. Nos conseillers sont actuellement au café. En attente, comme d'habitude. Votre appel sera transféré dès que possible. A few moments later. Aujourd'hui, j'appelle Ubisoft tout simplement parce que il y a beaucoup de problèmes sur Rainbow Six Siege. Il y a eu tout simplement l'apparition du Glitch Castle. Ils m'ont bien fait rire, les gens qui ont proposé ça sur leur chaîne YouTube. Ce glitch-là, il existe depuis, si je dis pas de bêtises, le début du mois. Voilà. Le glitch a été mis il y a 2-3 jours sur YouTube. Quoi qu'il en soit, j'ai tout simplement appelé Ubisoft pour voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire par rapport au glitch qu'il y a sur leur jeu. Plus on avance en temps, plus c'est chaud. Ça sonne. Ok, c'est parti. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour avoir quelques petits renseignements par rapport à Rainbow Six Siege sur PS4. D'accord. Enfin, sur PS4 et en général. Donc j'aimerais savoir quelques petites choses. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir comment ça se passe pour tout ce qui est glitch de votre côté. Comment vous faites pour justement patcher tout ça? Alors bon, je saurais pas vous dire exactement parce que du coup nous on n'est pas vraiment les développeurs, donc je pourrais pas vous dire comment procéder exactement, mais ce que je peux vous dire c'est que on récupère un maximum d'informations, donc tout ce qui est au niveau des glitches, donc notamment on récupère des vidéos à part des joueurs justement qui nous rapportent ces glitches là, et nous après on les transmet donc aux équipes de Rainbow Six qui après travaillent dessus. D'accord. Le problème étant que il y a eu déjà pas mal de glitches qui ont été patchés de votre part. Oui. Rainbow Six Siege, c'est un jeu qui est joué par énormément de monde. Et oui. Il y a des glitches qui traînent, qui sont tout le temps récurrents. Par exemple, je vous sors un exemple, le glitch montagne, tiré en étant déployé, ça fait au moins 2 mois qu'il est sur le jeu. Comment ça se fait que, avec l'argent que génère le jeu, vous n'êtes pas foutu, entre guillemets, de patcher ça rapidement? Ça doit pas être compliqué. Non, je comprends. Après, au niveau de la complexité des patchs, je saurais pas vous dire hein, parce que je suis pas développeur et en développement de jeu je sais pas du tout comment ça fonctionne. Après je pense qu'il doit y avoir peut-être des ordres de priorité, donc par exemple tous les glitches qu'il y avait au niveau de banques par exemple ou ce genre de là peut-être étaient prioritaires par rapport aux glitches de montagne. Il y a peut-être d'autres choses qu'ils veulent corriger en priorité. Après je pense qu'ils travaillent actuellement sur le glitch de montagne, donc c'est avec le bouclier, hein, si je me trompe pas, c'est ça, le déploiement du bouclier avec le... Ouais. Tout en ayant l'arme, c'est ça? C'est ça. Également a fait son apparition récemment le glitch du castle. Je sais pas si vous êtes au courant. Le glitch de castle? Oui. Non, alors je vais regarder si j'ai des infos dessus, mais... D'accord. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Voyons voir, donc ça date de quand récemment, oui. Oui. Ah bah, il y a un glitch de FPS. Voilà, ça fait 3 semaines qu'il y a ça sur le jeu, ça fait 3 jours que c'est sur YouTube. Et est-ce que ça va prendre autant de temps que le glitch montagne? Parce que ça, ce sont des glitches qui justement empêchent tout simplement de jouer. C'est justement ça qui devrait être prioritaire. Ah bah oui. Je comprends. Mais là, du coup, moi je vois que ça a été reporté il y a très peu de temps. De notre côté, en tout cas, je veux dire, nous, au niveau de notre base de données, au niveau de ce glitch-là. Après, je suppose que plus il y aura de retours sur ce glitch-là, plus rapidement il sera corrigé, je suppose. Hein. Après, comme je vous dis, je ne sais pas du tout comment travaillent les développeurs au niveau des correctifs, etc. Donc, je ne serais pas en mesure de vous dire exactement ce qui va être corrigé prochainement, etc. Donc, résumé, les gars, restez bien jusqu'à la fin. Donc, le glitch montagne, ils sont au courant depuis un petit moment, sauf qu'ils ont préféré patcher le glitch banque. Bon, c'est un choix. Personnellement, je trouve que le glitch montagne était plus intelligent de le patcher rapidement que le glitch banque, parce que le glitch banque, tu pouvais le contrer. Voilà, tout simplement, c'est juste de la logique, c'est pur et dur. Le glitch castle, ça fait 3 semaines qu'il est sur le jeu. Certes, sur YouTube, le grand public, entre guillemets, le connaît depuis peu. Moi, ça fait 3 semaines, je le connais. J'ai pas voulu faire de vidéo dessus parce que c'est un glitch de merde, c'est de la mort. Tout le monde like, c'est abusé. Donc, pour faire court, les gars, pour faire court, comment patcher ça rapidement? Au plus vite, on va dire, parce que rapidement, c'est un grand mot. Faut envoyer en masse. Il a dit, plus de gens se plaigneront d'un certain glitch, plus ils risquent d'être prioritaires, tout simplement. Donc, les gars, ça tient à vous. Tout simplement, vous, la communauté, vous allez vous dire, oui, mais moi, si je l'envoie, je suis qu'une personne, ils vont s'en foutre, tu vois. Mais non, si toi, tu l'envoies, si
Michel il l'envoie, si Antoine, si Abdel, si tout le monde l'envoie, le glitch va rapidement être patché. Faut que, en commentaire c'est très simple, cette vidéo-là je vais l'envoyer à Ubisoft. Il n'y a rien d'intéressant, ça va rien leur apprendre, que leur jeu il est toujours aussi pourri au niveau glitch, ça c'est pas un souci. Mais ce que je compte sur vous les gars, c'est qu'en espace commentaire, vous me faites un commentaire, bon, avec ce que vous voulez, et si vous connaissez un glitch sur le jeu et lequel. Et vous mettez un maximum de glitch que vous connaissez en commentaire, comme ça Ubisoft quand ils vont venir, ils vont aller en commentaire et voir tout ce qu'il y a. Certains qui manquent de neurones, en regardant cette vidéo, vont dire « Oui, mais Azer, t'as toi-même proposé des glitches sur ta chaîne YouTube, gnagnagnagnagna. » Alors, quoi qu'il en soit, je vais pas lancer le débat, ça va être rapide, je vais répondre en 10 secondes. J'ai fait des glitches sur ma chaîne, certes, c'est un contenu qui m'a plu, certes, sauf que j'ai jamais proposé des glitches autant polluants que ça. J'ai toujours proposé des glitches que tu pouvais contourner. Par exemple, tu rentres dans un mur, c'est pas grave, tu passes de l'autre côté, tu passes dans une autre partie de la map. Il y a toujours moyen de contourner les glitches normales, lambda. Mais quand c'est un fils de pute qui pose des castles et qui te fait laguer en 1 FPS, y a rien à faire. Y a rien à faire. Y a que Ubisoft qui peuvent nous sauver de... qui peuvent nous sauver entre guillemets de cette merde qu'il y a sur le jeu actuellement. Je vais vous mettre un petit extrait de ce que fait Glitch Castle. Donc voilà les gars, vous avez vu, c'est chaud, c'est chaud, c'est comme ça toute la game, pour tout le monde, même le mec qui fait le glitch, il lag, il peut jouer, parce que lui, il lagera moins que les autres, mais il n'aura pas un FPS fluide. Donc, la logique de ce glitch là, c'est faire laguer les autres joueurs, même si je lag un peu, comme ça, pendant qu'il lag, je peux aller les niquer. Mais mec, mais nique ta mère le mec qui a mis ça sur YouTube, nique ta mère, il n'y a pas d'autre mot pour décrire. Ça, c'est un truc, tu peux rien faire. C'est inévitable, c'est inévitable. Il y aurait une solution, un plan B pour éviter ça. D'accord, j'aurais rien dit, je m'en fous, tu vois. Je suis habitué. Des glitches évitables, il y en a partout sur le jeu. Mais celui-là, c'est le seul que je connais qui est vraiment inévitable. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus rien à dire. Je vous ai tout dit. Je sens que je commence un peu à m'énerver. Du coup, voilà, on va pas tarder. N'hésitez pas à mettre un petit like, les gars, si ça vous aura plu. Et espace commentaire, interagissez au maximum. Je compte vraiment sur vous. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Azer. Ciao, ciao.